Pardon pour ma grossièreté. Ça va, vous me voyez. L'image est à peu près potable. Bonjour. Il fait chaud, je m'en rends compte. Bonjour, bienvenue dans la petite fabrique de photographie que j'ai recommencé au mois d'octobre dernier. Ah, c'est la lumière en fait. Excusez-moi. L'installation est nouvelle. La petite fabrique de photographie que j'ai recommencé en octobre dernier, c'est le 31e épisode. Alors je compte dans les 31 les épisodes plus ou moins réussis dans les rues de Paris, à Londres, ou dans les rues de Salvador, qui chacun ont eu des problèmes. Donc j'ai pas encore réussi à faire un live dans la rue, en train de shooter, qui était parfait techniquement et dont je pouvais vous montrer les photos après, parce que ça a été le problème à Salvador. C'était mieux techniquement, mais ça ne virait pas ça. Et si vous tombez là, c'est la première fois que vous venez de vous abonner à la chaîne, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi il me parle? Il ne faut pas que je suppose que vous avez vu les 30 premiers épisodes. Bienvenue. On va parler de photographie. Je suis Gennaro Bardi, photographe professionnel depuis 12 ans, on va dire. Et historiquement, la petite fabrique de photographie, c'était des ateliers en direct que j'ai commencé pendant le confinement, que j'ai appelé ensuite la petite fabrique de photographie. Et le confinement, il y a 3 ans maintenant. Quand je dis confinement, non, ça va tout le monde comprendre maintenant. En 2020. Et voilà, j'ai lancé ma chaîne YouTube vraiment de photographe au mois d'août dernier, il y a presque un an. Et donc, j'ai repris la petite fabrique de photographie et c'est devenu quasiment hebdomadaire, on va dire trois épisodes par semaine, ce qui nous amène au 31e. Et ce sera probablement, malheureusement, pour certains, je ne sais pas, en tout cas, ce sera le dernier avant le mois de septembre, le dernier qui sera public. J'ai plein de trucs à vous raconter et j'étais en train de préparer l'installation de ce qu'on va faire aujourd'hui, en me disant il faut que je prenne des notes. Je me laisser 2 secondes pour que je prenne des notes, que je note bien tout, parce que sinon ça va être... C'est comme à la maison, un petit fabrique de photographie. Hein. Je vais dire bonjour, maintenant ça a été longtemps sur Facebook. Depuis l'année dernière, c'était sur Facebook et YouTube. Maintenant, je vous dis, c'est que YouTube. Pour des raisons techniques, parce qu'avoir 2 streams en même temps, sans plateforme de restreaming ou hein, qui partent de mon ordinateur, c'était un peu lourd pour l'ordinateur et ça a généré quelques problèmes.
Mais comme je veux tester des choses aujourd'hui, je voulais simplifier un petit peu. Et puis, j'ai des actualités qui vont justifier aussi que je passe entièrement sur YouTube. Et je vais vous expliquer ça. Salut Blandine, qui nous dit, c'est la première fois que je peux assister en direct à la petite fabrique de photographie, je suis super contente. Moi aussi, Blandine, tu avais participé à un atelier à Paris, je crois, ou tu étais venue à New York, ou en Italie, je ne sais plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai longtemps fait du voyage photo, j'en fais encore. Mais maintenant, à New York et à Chicago, malheureusement, le voyage à New York, en septembre, j'avais que deux inscrits. Et il m'en fallait au moins quatre pour confirmer le voyage. Donc, je suis en train de. Voilà, le départ n'est pas confirmé, d'annuler, de le dire. Malheureusement, pour Chicago, l'année prochaine, j'ai deux personnes qui sont intéressées. Si jamais vous êtes curieux et que vous êtes allé voir sur mon site, vera.news, mes voyages photos, et que vous étiez dit, tiens, peut-être Chicago l'année prochaine. Bah, le plus vite j'ai quatre personnes, le plus vite je confirme le voyage. Là, j'ai deux personnes qui sont intéressées tout de suite. Donc, mais j'ai pas encore les éléments. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Et donc, j'ai longtemps fait des voyages photos en Italie aussi, en Inde, en Colombie, pas mal d'endroits. Et je fais des ateliers aussi. Donc, Blandine, ton nom m'est familier. Je crois qu'on se connaît. Je suis inscrite à l'étincelle. Alors, c'est pas l'étincelle qu'on se connaît. Hein? Et donc, j'ai longtemps été photographe de voyage. Je le suis toujours un petit peu quand je voyage. Mais on va dire que j'ai plus de clients, comme je l'ai eu pendant longtemps. Des magazines de voyage, des agences de voyage, des réseaux d'agences de voyage, des groupes de tourisme, des compagnies aériennes, plein de choses comme ça. Donc ça a été longtemps mon quotidien. Et depuis que je suis installé au Brésil, je suis ici à Salvador. Quand je dis comme à la maison, c'est à la maison à Salvador. Je viens de Salvador de Bahia, au Brésil. Encore une fois, je m'adresse à ceux qui ne me connaissent pas du tout, pour qui c'est le premier live que vous voyez. Et donc voilà. Et j'ai commencé la petite fabrique de photographie aujourd'hui plus tôt parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à voir, à vous dire, et il s'en est rajouté aujourd'hui, hier, ce matin, enfin, je sais plus. Bref, donc je préfère commencer plus tôt et me dire potentiellement ça va durer 2 heures. La petite fabrique de photographie, comment ça se passe? Initialement, bon, c'est mon direct, j'aime le direct. J'aime côté improvisé, même si je script et que j'écris des choses. J'ai parfois des gros problèmes techniques dans ça, et ça ne marchait plus. Pardon, il faut que je continue à dire bonsoir à tout le monde. Salut Ali, Merapti, content de te revoir. Salut Zetapix, bienvenue. Je te vois toujours dans les commentaires et très souvent dans les lives. Sois le bienvenu, Nathalie Duquesnoy. Sois la bienvenue, Benoît. Bonsoir à tous. Bonsoir, Benoît. Et donc, je disais, initialement, la petite règle de photographie, en fait, quand j'ai fait ma chaîne, je vais vous raconter, tout simplement. Hein, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, je me suis dit, j'aime le direct et je vais concevoir des directs avec différentes sections et je vais couper les sections, les monter et en faire des vidéos qui seront plus digestes, qui seront plus courtes, qui seront plus. Voilà. Donc il y aurait comme ça le direct pour ceux qui veulent une relation directe avec moi, pour certains avec qui je travaille depuis longtemps ou qui apprécient hein, cette relation particulière du direct. Voilà, et en se disant bah, que les vidéos, c'est plus pour me découvrir. Donc si vous aimez les directs, vous aimez ma chaîne YouTube, qui grandit assez vite, et j'en suis très heureux, et c'est vraiment grâce à vous d'abord, ceux qui regardent les directs, je sais que ce sont. Bah, les personnes les plus fidèles hein, qui sont là en direct. Voilà, si vous aimez ça, partagez les vidéos. Je pense que c'est plus digeste de commencer à me connaître avec les vidéos. Voilà, il y en a quelques-unes que je trouve intéressantes ces dernières semaines ou ces derniers mois, notamment celle du dimanche dernier qui était plus pour moi une expérimentation où je l'aimais bien cette vidéo et je la trouvais intéressante et je l'ai montée, mais je trouvais quand même qu'elle avait quelques défauts. Je la trouvais un peu longue. Je trouvais qu'elle pouvait être encore mieux, mais je n'avais pas le temps de continuer à la monter ou de la faire plus courte. Ah, et puis, je n'avais pas d'autres vidéos prêtes. Alors, je me suis dit, allez, je la poste et on voit ce que ça donne. J'ai eu un nombre de commentaires et de messages directs de gens qui m'ont envoyé des emails. Ils m'ont dit qu'ils ont adoré cette vidéo. Sachez que je pense que ça peut être encore mieux. Voilà.
Mais voilà, ça m'a touché beaucoup. Et puis, je pense que c'est une... enfin, voilà, c'est un format qui est intéressant. Donc, Et donc, la petite feuille de photographie, j'expérimente des choses. Et puis, bah, c'est plus vraiment les sections initiales. J'essaie quand même d'en conserver, mais aujourd'hui, ça va être une phase d'expérimentation. Et donc, que vous allez voir en direct, avec cette nouvelle installation que vous ne voyez pas, mais que j'ai juste à gauche, qui est, je peux vous montrer, où je peux vous montrer des livres. Parce que voilà, ma chaîne YouTube, c'est Street Photography and Photobooks, à l'anglaise, excusez-moi pour ce snobisme. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et donc, livre photo, photographie de rue et livre photo. Et eh bien, tout simplement, j'ai maintenant installé de quoi vous montrer en direct et enregistré également, hein, de quoi vous montrer des livres. Alors, si je fais ça, normalement, vous voyez ma tête, voilà, et je vous montre des livres. Et ici, je vous montre, ça c'est mon livre, il faut que je vous en parle. D'accord? Salut Pierre Setin, salut Frédéric Yard. Bonsoir Gennaro et aux auditeurs. Salut à tous. Et donc aujourd'hui, on va expérimenter un petit peu ça. Alors, je vais continuer à vous expliquer, et vous expliquer aussi un petit peu l'envers du décor, de comment est-ce que je fais ça et comment est-ce que je... Vous me laissez... que j'avais appuyé sur stop streaming. Il faut vraiment que je prenne des notes pour que j'oublie rien. Et donc, j'aurais dû faire ça. Je vous prie de m'en excuser. Je vous demande 2 secondes. Parlez entre vous, faites connaissance, partagez vos comptes Instagram ou vos handles Instagram pour aller voir les... et ensuite, je vous explique le programme de la journée. Je note juste tous les éléments que je dois vous dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est ça, ça, ça. Ça y est, je ne me souviens plus. Mais c'est que, comme vous me regardez, j'arrive pas à me concentrer. Mais quel setup de folie! Hey, t'as vu ça? Franchement, c'est fier. Et en direct, s'il vous plaît. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté Facebook, parce que là, ça faisait. Donc là, il y a 2 caméras, enfin, il y en a 3 avec la webcam. Parce que ma caméra principale, elle peut sauter à tout moment. Il fait tellement chaud ici à Salvador. Je me rends compte que j'ai laissé le ventilo et parfois ça coupe le micro. Vous avez eu des problèmes de son? Vous avez entendu le micro là depuis le début? Dites-moi ça s'il vous plaît. Bon, je continue à prendre mes notes. Utilisine. Ça, ça. Et du coup, les 3 sections de ce qu'on va voir aujourd'hui. En 1, on va dire David White. En 2, Joseph Koudelka, qui est ma promesse. Peut-être certains qui sont là pour voir du Koudelka. Et je vous ai préparé une petite histoire, vous allez voir. En 3, donc, et ouais, mais ça, je vais être obligé de... Du coup, ça va rallonger un peu. Et en 4, on va faire, parce que c'est la dernière, et parce que oui, voilà. Parce qu'il faut que je commence par... Je peux le laisser le ventilo, vous êtes sûr, hein? Parce que j'ai eu une fois où le ventilo était dans le micro, et avec la réduction de bruit du setup, il te faut une secrétaire. Bah oui, Daniel Salle. No problème, j'arrête. Et donc, en premier, il faut que je m'excuse. Je m'excuse. Et en fait, je ne m'excuse pas. Je demande pardon. Probablement... Voilà, je vais partir du principe que tous ceux qui regardent ce live n'ont pas vu le live précédent, qui était dans ce bureau. J'ai des explications à ce qui s'est passé, mais qui sont des raisons personnelles, mais qui ne justifient en rien ce que j'ai fait. Et donc, je voulais d'abord demander pardon à... Je ne vais pas le nommer, mais j'espère qu'il verra ce live et qu'il se reconnaîtra. Et en tout cas, ceux qui ont vu le live précédent, que j'ai enlevé de la chaîne YouTube
sauront de quoi je parle. Enfin, je propose un petit travail de photographie, vous m'envoyez votre portfolio, votre site web, ce que vous voulez, votre compte Instagram, je commence, je l'analyse, et puis éventuellement je donne des conseils sur comment avancer dans votre photographie. Ou... Voilà, tout simplement, c'est pas une lecture de portfolio où on passe une heure à parler de votre photo, hein. C'est simplement, rapidement, je regarde ce que vous faites et on en parle. Et je ne vais pas dire pourquoi je crois que je me suis comporté comme ça, mais peu importe les raisons, je suis tombé sur des photos et des légendes qui m'ont amené vers la caricature, vers la moquerie, et il n'y a rien que je puisse faire pour enlever, pour ceux qui ont vu ça, ce truc que j'ai fait, qui moi sur le moment m'a fait rire, mais qui est blessant et qui est pas sympa et qui est... Et donc, je l'ai un peu senti pendant le live sur certains commentaires, mais j'ai surtout vu après, et voilà. Et donc, j'ai même probablement retiré le replay de cette petite photographie trop tard. J'ai été pris par d'autres choses, mais voilà. Enfin, en tout cas, je demande pardon à ce photographe. Et à ceux qui ont vu ça, voilà, je voudrais vous dire que je crois pas que ce soit grave d'avoir des regrets dans la vie. Je regrette d'avoir fait ça. Voilà, c'est pas un regret où je vais pas me flageller. C'est comme ça. Et puis c'est aussi une part de ma personnalité qui est retranscrite dans ce qui s'est passé, dans cette moquerie. Mais j'ai conscience que c'est pas sympa. Et c'est un regret qui a surtout pour objectif de vous dire que, dans la mesure du possible, j'espère que ça ne se reproduira pas. En tout cas, j'y serai vigilant. Voilà. J'ai aussi mon ventilateur en marche, tu es donc pardonné, Frédéric. Et donc, je vis à Salvador, ici c'est l'hiver. Et l'hiver à Salvador, il fait 27 degrés Celsius. Hein, et 22 la nuit. Donc, imaginez un peu l'été. Ok. Je me rends compte que cette lumière qui maintenant est nouvelle, est pleine face, ça me fait un... Il faut que je me mette de la poudre. Ça fait tout brillant, le truc. Donc non, mais je sais qu'en France, vous êtes nombreux à regarder le photographie en France. Et tout. Pardon, je m'égare, mais... Donc, voilà. Surtout à la personne concernée, je vous demande pardon, je te demande pardon, et je... J'espère que tu m'en tiendras pas rigueur. Très sincèrement, je pense qu'il verra jamais ces excuses. Parce que moi, voilà, si quelqu'un me fait ça, quelle que soit la... Voilà, jamais je retourne sur ces vidéos. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ce qu'on va voir, c'est avec le photographie. Les notes que j'ai prises. Donc, en 1, mes excuses. Ce ne sont pas des excuses. Je demande pardon à la personne concernée. Et je... Simplement. Sans expliquer. Mais... Non, je ne vais pas vous dire. Non. Le problème, c'est que si je le dis, ça devient une explication. Et bon, je ne vais pas le dire. Dans la petite règle de photographie, il y a donc plusieurs sections, initialement, on va dire. Aujourd'hui, donc, on va expérimenter. Mais c'est un truc qui est pour moi pas télévisuel, quoi. C'est dur. Vous montrer des livres photos, déjà, regarder un en entier, ça peut prendre une heure et demie, si on fait ça bien. Le lire, ça peut devenir très indigeste. Donc je me suis vraiment demandé, mais comment est-ce que je fais, quoi? Et il s'est passé un truc. Il s'est passé deux trucs. Bon. Et vous allez comprendre. Et donc, je vais vous montrer un livre. Et vous allez voir, on va avoir une expérimentation. Mais ça va être une thématique, hein. Je vais vous montrer des livres aujourd'hui. Deuxième partie, on va voir... je vais ouvrir un livre et je vais vous raconter une histoire. En tout cas, si une des histoires, il en a une quantité invraisemblable, une histoire de Joseph Koudelka. Et donc, en ouvrant un livre... Alors, je vais partir du principe que vous n'avez pas vu la série que vous avez vu précédemment. Mais vous avez peut-être vu une des vidéos de la chaîne. Je
aussi partir du principe que vous n'avez pas vu, mais une des vidéos de la chaîne, c'est comment travailler son jeu de jambes en photographie, qui est en fait une manière de dire comment progresser dans votre dans vos prises de vue. Le propos de cette vidéo, ce que j'avais expliqué dans ce live, c'est que le meilleur moyen pour moi, c'est d'étudier les planches contact des très grands photographes. C'est ce qu'on va faire avec Joseph Koudelka. On va étudier les planches contact de Joseph Koudelka à un moment très précis. Nicolas, salut Gennaro, j'arrive en retard. Salut Nicolas, on s'est raté à Paris, c'est quel dommage. J'étais vraiment dispo pour... mais voilà, t'étais pas là. La prochaine fois, il y aura une prochaine fois, certainement. Excusez-moi, je vais couper le son de mon téléphone pour pas avoir les alertes. Avoir des bips intempestifs. Bon, je le sors. Allez. Salut Antoine. Si tu veux avoir l'exemple de visionnage rapide de livres bien foutus en vidéo, la masterclass d'Annie Leibovitz qui est vraiment. D'accord, super. Et ben, la masterclass d'Annie Leibovitz, j'imagine, sur masterclass, je sais plus, .com. Ou... D'accord, excellent. Oui, ça m'intéresse, ne serait-ce que pour voir ça. Ouais, moi, je vais vous faire. Je vais pas le faire qu'une seule fois et je vais probablement. La première fois, malheureusement, je vais pas faire ça de la meilleure des manières possibles. Mais en tout cas, je vais vous proposer un format, vous allez voir. Même plusieurs, en réalité. Hein. Donc, dans cette vidéo, je vous disais que je pense que le meilleur moyen de progresser sur vos prises de vue, c'est d'étudier les planches contact. Donc, on va étudier les planches contact de Joseph Koudelka. Ça va être la deuxième partie et je vais vous la montrer. Je vais vous montrer la planche contact dans le livre. D'accord ? En vous racontant une petite histoire. Quand même scripter un petit peu le truc. Voilà, en troisième partie, et vous le comprendrez en troisième partie, donc, je vais vous parler de mon livre Mini Alma d'Aubagnot de Luce. Ce que je voulais faire la dernière fois, et que je n'ai pas fait parce que mon setup n'était pas arrivé, tout simplement, je n'avais pas pu le mettre en place. Donc là, je vais vous en parler. Pour ceux qui ont acheté le livre, il y a quelques semaines, j'avais bien dit, hein, départ en juillet. Jusqu'à ce matin, j'ai cru que j'allais rembourser tout le monde et ne pas envoyer les livres. Pour des raisons de, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de la relation que j'ai avec l'entreprise qui a les livres en stock. Mais elle m'a confirmé ce matin qu'elle allait les expédier. Donc, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc, c'est quand même l'occasion de, je vais vous montrer, et puis pour ceux qui veulent et qui n'ont pas pris... que j'ai proposé il y a deux mois dernier, vous aurez encore une occasion jusqu'à demain, à la liste, à l'entreprise qui fera les expéditions. Nicolas, oui, dommage, je n'étais pas à Paris. Bah, oui, tu peux dire ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça, ce sera la troisième partie, et en quatrième partie, je vais vous proposer de m'envoyer vos portfolios, votre compte Instagram, ou ce que vous voulez, et on en fera une petite lecture. Voilà, pour cette très très longue introduction, je vous en excuser. Traditionnellement, dans la petite fac de photographie, donc j'ai une liste des gens qui m'envoient leur compte Instagram ou leur portfolio, qui m'envoient en général en message direct sur Instagram, ou par email, ou par quelques moyens que ce soit, ou qui me l'envoient pendant les directs. Hein. Donc j'avais historiquement une assez longue liste de gens qui étaient en attente. Là, j'en ai plus qu'une personne. Et donc voilà, si vous voulez qu'on fasse ça, envoyez-moi votre handle, excusez-moi, j'ai des mots anglais qui me viennent, votre nom identifiant sur Instagram ou votre adresse hein, dans le chat. Vous mettez ça et je pourrai aller voir. Traditionnellement, ceux qui font le super chat, un super sticker, un super je sais pas quoi sur YouTube, passent devant tout le monde, passent en haut de la pile. D'accord ? C'est un petit peu une incitation à soutenir la chaîne, soutenir mon activité. C'est beaucoup de travail pour préparer ces directs, évidemment, et puis pour faire les vidéos. Et c'est aujourd'hui, cette chaîne YouTube, c'est vraiment sur ce que j'essaie de partager publiquement et gratuitement. C'est ce qui concentre toute mon énergie. Et donc, c'est pas anodin et ça me touche beaucoup quand vous faites ça. Après, vous pouvez aussi me payer le café avec un super chat sans aucun problème. Hein, sans envoyer votre compte Instagram, ça soutient l'activité de la chaîne, la mienne hein, en l'occurrence, je suis tout seul à opérer
tout ça. Moi, j'ai déjà envoyé mon Insta la dernière fois, tu l'avais commenté, avec même un super chat. Bah oui, je sais bien, Nicolas. Et donc, tout ça pour vous dire que, avant de commencer, ou je commence et je vous en parle après. Alors, ça fait déjà un moment qu'on est là. Ah ouais, non, ça fait un moment que j'ai commencé. Allez, je commence, première section, et après, je vous parle de l'actualité de la chaîne. Et d'autres actualités dont j'ai besoin de vous parler, mais excusez-moi pour cette très longue introduction, c'était nécessaire. Attends. Je prépare. Attends. Ça. Hop. Ici. Ça. Je vais mettre le micro au bon endroit, sinon vous n'avez pas le temps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous montrer à lire? Enfin, je vais l'ouvrir à la bonne page. Je fais ça. Vous voyez encore? Comme ça. Là, c'est le bordel sur le bureau, ça va pas du tout. Ça, tac. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est le micro, ça. Ça, c'est ma tasse de café. Je vous dis que c'est comme à la maison, hein. Alors, ok. Alors. Je vais revenir là. Non. Là. J'arrive. Il faut que j'ouvre. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce que je voulais vous montrer comme ça, vous montrer des livres et donc avec Joseph Kudelka, on va étudier des planches contact. C'est pas vraiment la lecture d'un livre, mais en fait j'ai un deuxième élément qui est le succès ou le plaisir que vous avez eu à regarder cette vidéo dans les rues de Paris. Où je fais des photos, je vous montre les photos, il y avait un mix d'un live d'avant, de ce que j'avais fait à la GoPro, enfin voilà, et donc quasiment une semaine de photographie, 4 jours de photographie à Paris, avec les photos comme ça, hein. Et ça vous a beaucoup plu. Et donc je me suis dit, bon, c'est un peu la thématique de la chaîne, hein, mais je me suis dit que je pouvais aller sur des trucs bizarres. Ou sur des trucs un petit peu extrêmes. Et donc là, c'est vraiment, je vais être dans l'expérimentation. Ce qui doit vous rassurer, c'est que ça va être beaucoup moins long que cette introduction. Une demi-heure que je suis là. Non, mais bon, j'ai vous dit, elle est installée. Donc, hein, j'espère que vous êtes encore là. Donc, ça va durer 5 minutes, hein, cette première section. C'est vraiment facile. Et donc, j'ai découvert un poème de David White. Et je vais vous le lire. Un poème de David White. La difficulté de faire en direct une bonne lecture de ce poème de David White, que j'ai traduit et légèrement adapté, enfin si adapté à la photographie, on va dire. La difficulté, c'est de faire ça bien en direct, tout en tournant les pages d'un livre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré cette lecture de ce poème, que je vais vous passer en son, d'accord? En bande son, et je vais tourner les pages. Je vais essayer que ce soit en rythme, mais bien fait. Hein, mais, si le son, pour que vous puissiez entendre le son. Okay. Donc ça, voilà, c'est ça qui va se passer. Et donc, je vais vous lire de la poésie en vous montrant des pages d'un livre photo. Donc là si j'ai encore deux personnes, à la fin de cette première section, bah merci. Merci de votre compassion. Ah, mais bon, voilà. Moi, j'ai été saisi par ce poème. Il m'a vraiment bouleversé.
Je dois vous le dire, et donc j'ai décidé de vous le traduire, de l'adapter à la photographie, légèrement, hein, pas beaucoup, mais c'est principe quand même, et de vous le présenter. Le livre que je vous montre, en même temps, j'ai eu pas mal de gens sur la chaîne, enfin pas mal, deux ou trois, mais genre, enfin voilà. Évidemment, les commentaires négatifs, on les voit, ils nous marquent plus, mais... j'en ai eu deux ou trois qui me disaient New York, c'est toujours à New York, évidemment, c'est plus facile la photo de rue quand c'est à New York. Alors, non, je pense que c'est très bien de faire la photographie à Melun. Je dis Melun parce que j'ai vécu à Melun, pas parce que je dénigre Melun. Petite image sur Melun. Ou à Pouzauges, ou à Clermont-Ferrand. Hein, je pense qu'on est toujours là. Ça va. Et je me suis dit, quel livre. Et alors j'ai commencé, le livre de S.A.S. il est génial, ça va vachement aller vachement avec le poème. Et c'est sur New York. Puis, le livre de. Hop, New York. J'ai beaucoup de livres sur New York. Je suis allé 25 fois à New York, peut-être même plus maintenant. J'y ai travaillé, c'est là que j'ai appris la photo. Enfin voilà, c'est moi j'ai une relation à New York. C'est pour ça. Donc, du coup, mais j'ai quand même trouvé un livre qui, je pense, colle bien à ce poème. Et c'est Alex Webb, que j'aime énormément. C'est faux, je confirme. Bonjour à tous. Salut Carole. J'arrive en retard, mais j'ai écouté le début dans le métro, tant bien que mal. Ouais, ça va. De toute façon, j'ai fait, je pense, la plus longue introduction au monde. Donc, et c'est pas grave. Ce sont les copains qui sont là, hein, et qui restent. Et donc, c'est parti pour cette expérimentation poésie et livre photo. Mais alors, je pense pas qu'on puisse trouver une photographie plus poétique que celle d'Alex Webb. Et donc, c'est parti. Mon setup est prêt. Vous n'allez pas voir ma tête quand je vais vous montrer le livre. Parce que comme je ne vais pas lire le truc, vous n'avez pas besoin. Mais vous allez m'entendre en revanche si vous faites ça bien. Et du coup, ça commence quand tu fais la photographie? Bah oui, c'est ça. Ça commence maintenant. Allez, c'est parti. La beauté est la moisson de la présence. Le moment éphémère de voir ou d'entendre à l'extérieur de ce qui vit déjà loin à l'intérieur de nous. Les yeux, les oreilles ou l'imagination deviennent soudainement un pont entre l'ici et l'ailleurs, entre alors et maintenant, entre l'intérieur et l'extérieur. La beauté est la conversation entre ce que nous pensons qui se passe à l'extérieur dans le monde et ce qui est sur le point de se produire loin à l'intérieur de nous. La beauté est un état accompli de profonde attention et d'oubli de soi. L'oubli de voir, d'entendre, de sentir ou de toucher qui efface notre séparation, notre distance, notre peur de l'autre. La beauté nous invite, par enchantement, à cette frontière effrayante entre ce que nous pensons qui nous fait et ce que nous pensons qui fait le monde. La beauté se trouve presque toujours dans les symétries et les asymétries intrigantes. Les symétries et les asymétries capturées dans l'image. Les ailes du papillon, le ciel aérien et la terre solide. Les yeux reposés et concentrés d'un visage aimant dans lequel nous voyons notre propre reflet. La symétrie aussi, donc, de rassembler les reconnaissances intérieures et extérieures. L'horizon lointain de l'altérité vu dans ce visage, joint à l'horizon intérieur profond de notre propre être. La beauté est une expression intérieure et extérieure vivant dans une image. La beauté se produit surtout dans la rencontre du temps et de l'intemporel. L'instant qui passe encadré par ce qui s'est passé et ce qui est sur le point de se produire. Le premier éparpillement de la fleur de pommier au printemps. La spirale tourbillonnante d'une feuille enroulée dans la lumière tombante. Le lissage des draps blancs
remplie de soleil par des mains patentives les mettant à l'air sur une corde. L'immense étendue de coton remplie par la brise juste pour un instant. Les draps naviguant vers la sécheresse, gonflant vers un futur qui toujours nous appelle, toujours juste au-delà de nous. La beauté est la moisson de la présence. Oui, je suis mute. On ne t'entend plus. Bah, ça y est, je suis revenu. Donc, je disais, voilà, j'ai un peu, là, j'ai chaud, mais c'est pas Salvador. C'est pas la température, c'est parce que, bah, voilà, ça fait très bizarre ce que je viens de faire. De faire de la poésie en direct, en vous lisant ça, en vous tournant les pages. Je sais pas quoi penser du truc. Vous avez rien entendu? Du texte que je vous ai lu. Donc, il y a un décalage. Hein, ça, voilà, j'avais coupé le micro, espérant que ça n'interfère pas avec le son, mais très beau poème, et bien sûr, merci Nathalie. Donc, vous avez bien entendu Urk. Parce que donc, j'ai fait une pause pendant que je tournais les pages, j'ai vu le message de Blandine qui me disait « on n'entend rien ». Je suis mince, donc... Donc ça va, c'est que ça passait quand même. Donc je recommence, hein, c'est 5 minutes, hein, ça va vite. Même pas 3 minutes. 3 minutes. Donc voilà, on a entendu le poème. Super. Donc voilà, et donc je suis un petit peu... c'est peut-être un peu weird, c'est peut-être un peu... C'est ce que j'ai envie de faire en fait. Moi c'est ce qui m'intéresse. Donc merci pour ce poème, c'est une expérience intéressante je pense. Si on l'a entendu, super, j'ai peur. Et c'était vraiment bien. Super. Mais vous savez, c'est comme quand on passe vous le savez pas, mais le direct, il y a ce côté on monte sur scène, quoi. Et parce que il y a ce truc, donc les problèmes techniques, ça fait chier, quoi. Et les micros, quand... Donc ça va, ça me rassure ce que vous me dites. Avant de passer à la deuxième section, je profite, puisque vous êtes là et que ça vous plaît, je vous annonce ce que je vais proposer la semaine prochaine. La semaine prochaine, alors ce sera, il n'y aura pas une introduction d'une demi-heure, je vous dis tout de suite. Mais je vais faire mon troisième atelier que j'appelle Objectif. Il y a un an et demi maintenant. C'est ça ? Il y a un an et demi. J'avais fait un atelier de 2 heures. Atelier en direct, qui s'appelait Objectif Expo, qui est devenu, à l'issue de ça, une formation avec l'atelier de 2 heures, des vidéos, et il y avait deux ou trois ateliers en direct pendant un mois, et donc qui permettaient de vous présenter comment présenter votre travail, comment travailler sur un projet d'exposition de vos photos. Au mois de juillet, il y a un an, au mois de juillet dernier, j'ai fait l'équivalent, on va dire, qui s'appelait Objectif Livre, qui reprend quelques principes et adapté à l'édition et à la construction d'un livre.
Alors, quand je travaille sur ces sujets, bah, c'est un peu comme les vidéos. Ouais. C'est pas du logiciel ou c'est pas du. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le fondement, ce que j'appelle les fondations de votre travail photographique. Donc, c'est ces choses-là que j'expliquais dans Objectif Expo et dans Objectif Livre. Et donc, la semaine prochaine, je vais vous proposer un atelier qui s'appelle Objectif Zine. Et où là, je vais aussi parler de la fondation d'un travail photographique, de ce que c'est et voilà comment produire un essai photographique qui a vocation à être l'année dernière dans un livre, cette fois-ci, sur un format plus resserré, moins de photos également, dans un site. Donc, c'est pas la partie production ou financement ou communication qui va être évoquée, c'est vraiment le travail. Travail sur l'édition et la sélection de photos. Et donc, je prévois de faire un atelier qui dure 2 heures, mais ce ne sera pas... L'année dernière, j'avais fait sur Zoom, sur inscription. Je l'envoyais le lien sur Zoom, et puis ensuite, le replay, je l'avais envoyé que à ceux qui étaient abonnés à ma newsletter ou à ceux qui s'étaient inscrits, je ne sais plus exactement, sur cet atelier. D'accord ? Et cette fois-ci, eh ben, ça ne va pas être gratuit, en fait. J'expérimente. Je ne sais pas si ça va... Si ça se trouve, je vais voir personne. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est beaucoup de travail et c'est, je crois, très intéressant. Et puis, je vois des photographes ou des éducateurs à la photographie qui font des ateliers. Ça vaut 10 euros et je trouve que ça a du sens aussi. Quand il y a un contenu qui est intéressant, qui est complet, voilà, de mettre une... Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça et de ne donner accès à cet atelier qui sera en direct que aux personnes qui seront membres de la chaîne YouTube. Parce que depuis aujourd'hui, hier en réalité, mais depuis aujourd'hui, on va dire officiellement, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est être membre ? En fait, c'est une souscription où vous mettez une petite pièce tous les mois pour soutenir la chaîne et donc où vous avez accès à des contenus exclusifs, j'ai même fait des emojis avec ma tête. C'est pas moi qui les ai faits, je les ai fait faire par quelqu'un. Et donc dans le chat de la petite règle de photographie sur les directs publics, les membres de la chaîne auront des emojis avec ma tête et un appareil photo. Et vous voyez le niveau du mec, quoi. Le niveau du nerd et du geek, quoi. Donc bref. Et donc. Non, sérieux les amis, on parle de photographie là. Sérieux. Hein? Et donc, la semaine prochaine, Objectif Z, où je vais vous montrer le travail de sélection et d'édition complet de A à Z que j'ai fait sur une série de photos. Et commenter, évidemment. Hein? Donc ça, pour vous aider à mieux sélectionner et travailler sur un sujet. Et sélectionner des photos, éditer et choisir des photos et séquencer des photos pour, avec cet objectif, de éventuellement en faire un zine. Alors, donc ça va être la première partie de cet atelier de 2 heures, Objectif Zine. Et la deuxième partie, le travail sur plus, j'allais dire théorique. Non, c'est pas théorique, mais ça se met en pratique de manière très concrète. Hein, mais le travail sur la fondation d'un travail photographique. Au sens, quel sujet, quoi est-ce que va parler votre essai photographique, ce que vous allez montrer dans votre zine. Hein? Et donc cet atelier de 2 heures doit vous permettre, à l'issue, d'être... Donc si vous voulez uniquement accéder à cet atelier, vous devenez membre de la chaîne, et puis, vous abonnez un mois d'après. Ce qui se passera pour les membres qui restent, je ferai un atelier... Il ne sera pas comme la petite feuille de photographie expérimentale et souvent improvisée, ou même si bon, je trouve ça sympathique, et puis l'audience grandit quand même, chaque mois, on va dire. Et donc, il y a quand même des gens qui s'appellent la petite feuille de photographie, même si je fais ça trop d'une demi-heure. Et donc, voilà. Et donc, il y aura un atelier, mais qui en direct, tous les mois, pour les membres de la chaîne. Et je m'attends à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup. Je m'attends surtout à ce qu'en réalité, je lance ça en
beaucoup trop vite par rapport à la taille de ma chaîne, qui est encore petite. Hein, mais comme ça, j'essaye et puis on verra bien. Et donc, mais au début, je pense que ce sera vraiment peu de monde. Et donc, un atelier en direct avec un sujet, voilà, sujet bah, comme Objective Zine, ou ça peut être sur plein de sujets différents, qui sera sur vous faire progresser. Hein, et, mais plutôt une partie théorique où ma formation, l'étincelle, serait la mise en pratique. Donc ça sera uniquement pour les membres de la chaîne, une fois par mois. Et donc au mois d'août, la petite fabrique de photographie va s'arrêter, mais je ferai un atelier en direct aussi pour les membres de la chaîne. Donc, la semaine prochaine, atelier Objective Zine, si vous voulez y accéder, devenez membre de la chaîne. En pleine création de zine, en cyanotype de mon côté, top synchro. Et ben voilà, bienvenue, enfin en tout cas bienvenue si jamais tu veux, on te donne une bonne note, dit Nicolas, ça va, merci. Le poème, si, c'était vraiment bien, merci beaucoup. Merci, ce poème, c'est une expérience intéressante, je pense, si on a entendu ça, je l'avais déjà vu, merci Nicolas. Non, c'est important, ça me rassure, bon, je pense que je vais en faire une vidéo, pas avec le livre, et avec autre chose, et avec certaines de mes photos, ou de films, enfin, je vais essayer d'en faire un film, cette lecture du poème de David White. Le poème de David White, en anglais, qui s'appelle Beauty, comme la traduction a pu le laisser suggérer. David White, White, W-H-Y-T-E, s'il y en a qui veulent retrouver le poème, ou acheter le livre de David White, ceux qui disent l'anglais. D'accord ? Et donc voilà, ça y est. Alors, je ne savais pas quoi mettre, comme il y a trois niveaux pour les membres de la chaîne, je ne savais pas quoi mettre, et moi, je vous raconte. Là, ce dimanche, il y a une autre nouvelle vidéo sur raconter des histoires en photographie, et qui est probablement, je commence à en avoir fait quelques-unes, mais qui est celle vraiment qui me tient le plus à cœur, et qui parle notamment de structure narrative. Je vais vous faire peur, vous n'allez jamais l'écouter. Elle est vraiment bien, cette vidéo. Mais en fait, voilà, ça parle de narration, et moi, la manière dont j'ai étudié la narration, c'est par la lecture des livres de Joseph Campbell. Vraiment beaucoup de livres de Joseph Campbell, qui a c'est tout le fondement théorique de la structure circulaire, une structure narrative circulaire. Il y a une vidéo sur Alexos que j'ai faite qui parle de cette structure circulaire. Et pourquoi je vous parle de Joseph Campbell ? Ah oui, quand je dis Alexos, j'ai Alexa qui me... Chut, Alexa. Ça suffit. Okay. Vous avez une nouvelle notification. Non, ça suffit. Ça suffit. Alexa, tais-toi, Alexa. Ok. Donc, pourquoi je vous parle de Joseph Campbell ? Bah, oui, voilà. Parce que Joseph Campbell, c'est l'auteur qui est la structure sur laquelle George Lucas a basé l'écriture de Star Wars. Le premier, enfin tous, hein, mais l'écriture de Star Wars, est vraiment, c'est le cycle du héros de Joseph Campbell, vraiment appliqué à la lettre. Et donc, voilà, donc comme je savais... Et puis je me suis dit, c'est pas si mal, ça ferait de moi un Yoda, et au-delà de la blague. Donc les trois niveaux sur les membres de la chaîne, c'est Padawan, Jedi, et je suis un gros nerd. Et puis je crois... Padawan, Jedi, et je sais plus quoi, pour en mettre. Master Jedi, ou je sais plus quoi. Je sais plus ce que j'ai mis. Voilà, donc ce sont des Jedi. Si vous n'aimez pas Star Wars, vous ne vous préoccupez pas de ça, et puis c'est pas grave. Hein, mais... Et donc voilà, vous pouvez être membre de la chaîne maintenant. J'ai pas les stats, mais j'imagine qu'il n'y en a pas 200 qui sont inscrits dans l'instant. On passe à la deuxième section, on passe à Joseph Kudelka, ça suffit maintenant de parler de ces trucs-là. Allez, Joseph Kudelka. Deuxième livre. Les planches contact. Alors, attendez, je ne vois pas ce qui se passe. Là, en revanche, je vais avoir mon micro. Alors, attendez, non, il faut que je prépare encore un truc. Alors, attendez, où est-ce que c'est ? Hop, si je le mets là, ça fait quoi ? Ah, ok, super. Hop, ça, je ferme. Et donc, je vais
vous montrer les dessins de ma fille. Ça, une, deux. Donc il y a très peu de pages. Hein. Je vais quand même vous raconter l'histoire de ces planches contact. Je vous ai fait une petite synthèse du texte qui est à côté, en gros, hein, si vous voulez. Alors c'est parti. Ça va, vous m'entendez? Et Daniel San. Et Daniel San, bah oui, bien sûr. J'imagine que tu fais référence à Yoda. C'est la formule Jedi pour avoir accès aux vidéos et aux îles. Oui, les lives en direct, mensuels, c'est la formule Jedi. Ah oui, je ne l'ai pas dit, pardon. Padawan, c'est pour payer le café tous les mois, on va dire. Mais c'est la formule Jedi pour avoir accès, mais vous pouvez vous désabonner si vous voulez juste avoir accès à cet atelier. Hein. Bonsoir à tous, avec du retard, je regarderai le début en replay. Oui, alors, tu as une longue introduction. Je pense que tu peux passer un bon 15 minutes, voire 25 minutes, si tu veux aller directement au contenu. Après, c'est comme à la maison, la petite fabrique de photographie. Alors, Joseph Koudelka, les amis, on est concentré. Attends, si je fais ça, ça fait quoi? C'est mieux. C'est mieux comme ça? Allez. Donc, Joseph Koudelka, cette planche contact. Alors. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'en 1968, Joseph Koudelka, qui est un photographe tchèque mondialement réputé, enfin, si jamais vous ne le connaissez pas. Non, vraiment, Joseph Koudelka, c'est un photographe extraordinaire. Et je vais vous montrer une partie infime de son travail, celle où, en fait, où il s'est fait découvrir. Et la manière dont il s'est fait découvrir, c'est qu'en fait, il a capturé un moment historique. L'invasion de Prague par les troupes russes. Ce qui s'est passé, c'est donc au petit matin du 21 août 1968. Après avoir reçu un appel téléphonique de sa petite amie, Koudelka s'est précipité dans les rues avec deux de ses caméras exactes, et s'est mis à prendre des photos pendant une semaine, en fait. Hein. Et cette période, vous en doutez, a été marquée par des affrontements très violents, notamment au siège, à côté du siège de la radio tchèque, à Vinohradská Avenue, que les Russes cherchaient à faire taire, la radio. Hein, donc, la foule tentait de protéger le bâtiment, mais l'arrivée des chars a permis aux soldats de s'y infiltrer et cesser l'émission de cette radio. Et c'est pendant ces moments-là, lui était évidemment du côté de la foule, hein, pendant ces moments de tension que Koudelka a pris les clichés, notamment qu'on va voir, en tout cas ceux qui ont été retenus pour publication. Et ce que je trouve fascinant également, c'est qu'il utilisait alors du film de cinéma parce que c'était moins cher d'avoir la pellicule Cinoche qui mettait dans son appareil photo. Hein, c'était une option plus économique et ce qui explique que les négatifs n'étaient pas numérotés autrement qu'à la main. C'est ce que vous voyez là sur la planche. Vous voyez bien. Je me rends compte que c'est vraiment petit, mais je pourrais rapprocher la caméra. Hein. Hein, et donc, l'ordre chronologique précis des images reste incertain, y compris, et lui-même ne se souvient pas, en fait. Hein. Et ces films ont été assemblés à New York un an plus tard, les événements. Un an après les événements. Hein, en 1969. Cinq des photos marquées sur ces négatifs ont été utilisées dans son livre « Invasion Prague 68 », publié dans 11 pays, 40 ans après l'invasion. C'est vraiment un travail majeur, mais ce n'est pas 2023 où on se révèle sur les réseaux sociaux. Quoi. C'est vraiment... Hein, donc faut imaginer ce temps long sur l'émergence de ces photographies qui sont extrêmement importantes, historiquement. Et donc, voilà. Hein, et donc, ce qui est intéressant sur cette planche contact, et on va voir cette planche contact, mais c'est, hein, les images qui sont numérotées 1 et 2 sont deux des meilleures photos, en tout cas c'est ce que dit Koudelka,
Et il les a prises l'une à la suite de l'autre, ce qui est relativement rare. C'est l'expérience en photographie. C'est vraiment un coup de chance hein, qui arrive très rare. Et voilà. Et donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Joseph Kodelka était surtout un témoin direct de ces événements. Mais lui, il ne se voyait pas comme un photographe. Hein. Il était directement concerné dans sa vie. Il insiste, voilà, c'est mon pays, c'est mon problème. Hein. Mais il n'était pas reporter, il ne photographiait pas pour faire de l'actualité, de la news. Hein, il a photographié ses scènes pour lui-même d'abord, sans intention de les publier. Et c'est donc par chance que quelqu'un à Prague a remarqué les images, que certaines d'entre elles ont été secrètement emmenées hors de Tchécoslovaquie, plusieurs mois plus tard, quasiment un an plus tard, et qu'elles ont atterri à New York sur le bureau d'Eliot Erwitt, qui était alors président de l'agence Macri. Et Kudelka n'a pas publié ses photos sous son propre nom pendant 16 ans. Pendant 16 ans, elles ont pas été, il n'a pas été identifié sur les photos pour ne pas mettre en péril bah, sa famille. Lui-même, surtout. Hein. Vous êtes de cette période trouble. C'est vrai. Donc, voilà, tout simplement, il n'y avait pas son copyright, mais il y avait copyright Magnum PP pour photographe de Prague. Hein, et voilà, c'est vraiment une histoire extrêmement intéressante. Et j'ai aussi appris avec cette planche contact et cette histoire que, ah, donc ça, c'est une des photos majeures, fabuleuses, qui a donc été prise avec cette pellicule ciné. Et cette photo n'est pas dans la planche contact que je vous ai montré précédemment, mais qui est devenue une photo emblématique. Moi, je connaissais cette photo de Joseph Kodelka, mais c'est devenu une photo emblématique des événements des chars russes, l'invasion des chars russes à Prague, parce que c'est une photo où, en fait, ils attendaient les chars. Et je connais cette photo depuis des années, en fait, de Joseph Kodelka. Mon ignorance, ma bêtise, de ne pas savoir que c'était Joseph qui attendait les chars russes, et c'est vraiment devenu une photo emblématique hein, de cette avenue qui est encore vide, et qui, quelques heures plus tard, allait avoir les chars russes. Ici, cette photo, majeure, hein, au plus proche des événements, c'est difficile de le dire autrement, il faut imaginer que à ce moment-là, Joseph Kodelka n'est pas un photographe de news, d'actualité, ce qu'il n'est jamais revenu. Hein. Un rapport à la photographie, il a eu un rapport à la photographie, toujours été sur des temps longs et sur son histoire personnelle. Voilà. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez vraiment, je ne me rends pas vraiment compte. Kevin qui dit j'y songerai. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vais chercher ma CB. Ah oui. On essaye des trucs, puis on verra. Si j'ai que 5 personnes, bah, il y aura 5 heureux. Et... Non, je vais vous le dire. Objectif Expo, il y avait 800 inscrits. Il y avait 150 personnes en direct. Objectif Live, il y en avait beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de gens qui sont en train de réfléchir à un livre que à vouloir éventuellement exposer leurs photos. Je pense que tout photographe qui a un petit peu d'expérience, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Objectif Zine, je me dis que si je le fais gratuit, il y a potentiellement pas mal de monde. Mais bon, on verra, je sais pas, on essaye des trucs. Voilà, et puis c'est comme ça. Et donc, je reviens à ce que je disais. C'était pour l'intro. Oui, d'accord. Tu peux passer. Alors, donc cette planche contact, est-ce que je zoome sur... Ouais, je pense que... Zoomer, c'est en fait baisser ma caméra. Ah, on essaie des trucs, hein. Et là, vous voyez la planche contact. Et donc, alors, ce
que je vous invite vraiment, c'est de, quand vous étudiez le plan de contact, ne le faites pas en vous disant, essayez de faire abstraction du sujet. Parce que là, je sais que c'est un problème dans le choix du sujet. Je trouvais l'histoire géniale et je voulais vous la raconter. Et pour ceux qui ne connaissent pas Koudelka, vous dire, allez voir son travail, c'est vraiment... Il y a un film aussi sur Koudelka qui est extraordinaire. C'est un photographe majeur de la fin du XXe siècle et de l'heure actuelle. Mais là, vraiment, essayer de faire abstraction de ces événements historiques. C'est pas tous les jours qu'on est témoin et puis on n'a pas tous envie d'aller au combat. Mais néanmoins, il y a quand même des choix qui sont faits. Donc là, c'est pas chronologique. On n'a pas les séquences de prise de vue. Mais regardez comment, ici, là, on a des photos qui sont plus ou moins lisibles, qui sont plus ou moins difficiles à comprendre. D'accord ? Et que, instantanément, celles qui sont choisies, celles qui sont identifiées pour être les meilleures, elles sont lisibles. Elles sont, certains sur des plans larges, d'autres sur des plans plus moyens. Là, on en a une avec du feu, avec qui n'a pas été retenue, quoi. Donc c'est vraiment... Et vous voyez, parfois, regardez, là, c'est hyper intéressant. Et que sur une même scène, donc, il a son poteau à gauche. Là, il a la scène, il en a quatre. Donc là, pourquoi est-ce qu'il choisit celle-là? Parce que le moment a plus de tension, le positionnement du corps est plus intéressant. Donc on a vraiment cette... Et ici, à droite, ce qu'on avait peut-être de mieux, c'est le personnage en haut à droite sur le char, peut-être meilleur, mais à gauche, c'est beaucoup moins lisible. Voilà, donc on comprend pourquoi c'est celle-ci qui a été. Alors la une et la deux, ça c'est génial, parce que là on a vraiment des personnes sur le char. Ici, vous voyez, ça, ici là. On a les personnes sur le char. C'est cette photo-là, en fait. La photo d'après qui fait, c'est eux, si vous les voyez bien, mais qui sont, comme le livre, c'est une verticale, donc, avec le drapeau et avec les... Ils sont deux personnages, en fait, avec l'un qui a son bras droit, l'autre qui a son bras gauche. Ce sont deux photos géniales, quoi. Et elle est beaucoup plus forte que la troisième. Mais on voit bien comment il est passé à une autre scène. Il a vu ces deux gars, il a fait la première photo, il a fait une horizontale, il est passé à la suite. Donc évidemment, le travail des scènes, même jeune photographe, même avec de la pellicule et où ça coûte cher de déclencher, il travaille les scènes quand même, parce que c'est le seul moyen qu'on a de sortir des bonnes photos. Évidemment, son travail des scènes, c'est quasiment que des bonnes photos. Donc il a moins de facilité à travailler en volume et à avoir du déchet, mais quand même, il y a une sélection et on a bien ça. Et ici, là c'est pareil, on a trois photos d'une même scène, avec le char, ici plus loin avec la fumée, ici avec quelqu'un au-dessus et la foule, et la bonne avec les deux à gauche et le drapeau. J'aime bien la photo et qui est meilleure. De toute façon, il y a très peu de photos sur la planche contact. On parle de quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. On parle de 30 clichés. C'est vraiment extrêmement peu. Celle-ci qui n'est pas dessus. Koudelka, les événements de Prague. Et je vais revenir ici. Mais vraiment, si vous voulez travailler des planches contact, ça va, vous voyez mon setup, c'est pas grave. Si vous voulez travailler des planches contact, vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres de planches contact. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous en avez une quantité invraisemblable sur Internet. Étudiez les planches contact en étudiant non pas simplement « Ah, c'est beau » ou, mais en comprenant les décisions d'édition qui ont été prises. Donc, si je vous montre ça aussi, et si je vous parle de ça, c'est aussi parce que c'est un peu ça, Objectivzy. Où je vous montre les décisions d'édition que je vais prendre sur la construction d'une série photo. Donc, je vais vous remettre une petite couche. Objectivzy, la semaine prochaine, c'est un atelier en direct où je vous aide à sélectionner des photos, à construire une série de photos. Alors, sur une série resserrée de 10-15, on peut commencer un zine avec 15-20 photos sans aucun problème. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Donc,
Donc voilà, et donc je pars d'un grand volume de photos et je vais commenter cette sélection, cette édition, et on va aussi parler d'autre chose. Hein, ce sera un atelier de 2 heures uniquement pour les membres de la chaîne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, Koudelka. On a vu quelques photos, j'ai raconté un petit peu l'histoire. C'était notre deuxième section. Qu'est-ce qu'on fait? On est. Ah bah non, c'est bien, ça fait 1 heure. Je vais pas. Très rapidement. Non, je vais pas vous faire 1 heure sur mon livre. Mais comme c'est quand même la bonne nouvelle pour moi, bah pour ceux qui l'ont acheté, le livre. Attendez, j'ai même pas préparé le lien pour vous le partager si vous voulez l'acheter. C'est ça que je voulais faire initialement. Non, j'ai pas préparé. Je suis pas prêt. Donc, allez, non, je le fais pas. On verra. Éventuellement, je le ferai la semaine prochaine. J'improviserai un truc rapide. On verra. Mais est-ce que j'ai pas le lien? Est-ce que je l'ai? C'est... Catherine, hein? Pour, est-ce que quelqu'un veut que je lise son compte Instagram? J'en ai un ici que je vais préparer. Voilà, vous pouvez envoyer votre compte Instagram, votre portfolio, votre site web, ce que vous voulez en fait. Là, vous avez des photos à vous, et puis on en fait une petite lecture, sympathique, sans moquerie. Je vous le promets, tout ce que je peux faire. Et voilà. Donc, je sais qu'il y a un gros décalage sur le live, mais quand même, c'est clair encore. Je vérifie que ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Ah oui, si, c'est ça. Your small YouTube. Si, ça marche. Ça va, vous êtes encore là. J'ai peur quand je vois plus de commentaires. Non, mais c'est surtout. Voilà, si vous voulez qu'on fasse une. Hein, Arnold. Qu'est-ce que tu dis, Arnold? Non, si vous voulez partager un compte Instagram ou quelque chose, n'hésitez pas. SN Daniel Photo. J'ai pas déjà vu tes photos, Daniel? Alors, c'est un nouveau compte Instagram. SN Daniel Photo, c'est ton... Ah, ZetaPix, bienvenue dans le Jedi. Et ben voilà, premier inscrit pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, ZetaPix. Et je dois signaler qu'il y a 2 inscrits avant. Julien. Et Lionel, c'est Tapix, merci de ta confiance et de ta fidélité, je peux dire également. Ben, ça me touche beaucoup et voilà, et je vais faire le max pour que ce soit intéressant pour toi et que ça te donne envie de rester. Mais en tout cas, heureux de au moins, bon, peut-être qu'on sera que tous les deux, ou tous les 3 ou 4, mais en tout cas, voilà, je serai heureux de t'aider. Et alors, si c'est de l'individuel, ben, à ce moment-là, on verra. En tout cas, sois le bienvenu, tu es le premier Jedi, ZetaPix. Alors, on est là. Ouais, vous avez vraiment un gros décalage. Alors, attendez, c'était pour ton intro, Gennaro, non? SN Daniel Photo, alors attends. Donc ça, j'imagine que c'est ton Instagram. Donc, j'allais voir cet Instagram-là. Parce que ça, c'est celui qui m'a été proposé il y a très longtemps, vraiment. C'est comme il y a eu plein de... Comme il y a eu plein de super chats et de super stickers ou je sais pas quoi qui sont passés devant, et ben du coup, ce compte Instagram... Non, c'est pas lui. Ah ben non, ça suit, c'est celui de la dernière fois. Excel. Je me suis déjà excusé. C'est pas vrai que j'ai pas noté. Faut que je retrouve. Je vais le chercher, mais pour 2 secondes. Je sais où il est. Je vais aller sur le téléphone, changer le prix, sur Instagram.
Ça, c'est bon. Excusez-moi. Portefeuille absolu et photographie. Ah non, j'en ai deux, dis donc. J'en ai deux, tout va bien. Donc voilà. Mais voilà, si vous voulez, pour une prochaine petite fabrique de photographie, ou si vous voulez si vous voulez passer devant tout le monde, parce que là, ce sont deux personnes qui ne sont pas... Voilà, donc... si vous voulez passer devant tout le monde, bah, vous pouvez devenir membre. Ou... je me fais rire, mais c'est vraiment pas drôle. Voilà. Et donc, instagram.com/... Néné le Bruitier. Poker face selon. Daniel San, tu c'était pour ton compte Instagram que tu voulais? Si. Si, quand même. San. Score. Alors. Je vais vous montrer. Carole. Oh, Carole, ça fait plaisir. Bienvenue dans le Jedi, Carole. Merci beaucoup, Carole. Merci de ta confiance. Carole qui était en atelier à Lille. Si je dis pas de bêtises. Bienvenue, Carole. Merci de ta confiance encore, vraiment. Ça me touche beaucoup. Arnold, tu devrais jeter un œil à mon travail. Eh bien, je vais faire ça. Je vais noter Arnold. Arnold. Ah, tu notes. Si, tu m'as dit. Arnidive 1964. Pour info, Arnold, pour l'instant, tu es en quatrième position. Et donc, on commence. Allez. Je vais peut-être arriver à en faire 4 si je vais vite. Alors, je vous montre. Écran seul, écran. C'est bon. Donc là, nous sommes sur le compte Instagram qui m'a été envoyé il y a super longtemps. J'imagine qu'il ne regarde plus les lives. Si tu es là ou si tu vois en replay, hein, c'est le compte de Néné le Grutier. Poker face sur le nom. Hein. On l'a dit. Salutations du Québec. Salut Denis Bollin. Sois le bienvenu. Néné le Grutier. Alors. La bio, Canon R7, plus 10-18, 50 mm, 17-55 mm, 100-400 mm, S23 Ultra, j'imagine son téléphone, plus Inst Flow, j'ai une appli, Insta 360x3, paparazzi en observation du monde qui m'entoure. Bon. Alors, je vous le dis, moi quand je vois une bio qui parle matos, je vois débutant. Après, il y a des gens qui ne sont pas débutants, qui ont beaucoup d'expérience, qui continuent à s'intéresser au matos, mais pour moi, la technique d'une manière générale, ça inclut le matos, on l'apprend vite, et pour que ce soit plus un obstacle. Là, c'est en aucun cas ce qui doit définir. Moi, ça m'est arrivé hein, quand j'ai débuté. Là, mes photos sont faites à l'iPhone, ou voilà mon appareil photo. C'est parce qu'on se dit, puis on aime ça, c'est beau un appareil photo, et puis c'est vraiment notre moyen d'accès à la photographie. Donc évidemment, c'est important d'avoir un bon matos, ou d'avoir un matos qui nous plaît, ou avec lequel on est à l'aise. Mais c'est toujours personne parle au grand chef de ses casseroles, quoi. Et un grand chef, il ne vous dit pas, ça marche de casseroles. Ah, donc, ça ne dit rien, c'est en aucun cas un jugement de valeur, simplement, ça m'indique plutôt quelqu'un qui débute. Et bah, voilà, les photographies que je vois derrière, aussi, là, je vois des photographies de quelqu'un qui a partie de la photographie, loisir, puis c'est un compte partage de vie privée, sans une attention particulière, à une esthétique, une grande esthétique c'est pas une grande esthétique, mais... Ah, voilà. Et c'est pas grave, c'est très bien. Et ça peut être ça, un compte Instagram. Et c'est ça pour beaucoup de monde, un compte Instagram.
Super. Et puis de temps en temps, il y a des photos. Photographe, là, et puis un petit peu de vie quotidienne. C'est sympathique. La Royale, la maison de la pipe, un petit peu d'humour. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. La maison de la pipe, hein, une maison de qualité. Hein, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Challenge photo. Avec un très beau... mes emojis sont de ce niveau-là, quoi, on va dire. Hein, je fais partie des lauréats. Bravo. Célébrons nos différences. Donc, voilà. Mais j'aurais préféré voir la photo qui a été lauréate que de voir l'affiche du. Ah, mais sympathique, on a une photo de. J'ai pas beaucoup de photos à analyser, quoi, on va dire, hein, sur ce compte. Ah bon, bah, Néné le Grutier, je vois des grues. Alors, c'est une belle photo de grue. Ça, c'est bien, avec le soleil qui est en haut de la. Et on a un beau reflet sur un. Ah, c'est quoi? Pas de légende qui m'expliquerait un petit peu où est-ce que c'est. Voilà. Une photo d'optique, du chantier, la pleine lune. Une photo de quelqu'un qui est curieux de la photographie. Et ce que je peux dire, je ne peux que t'encourager. Je ne vois pas ce compte Instagram comme le partage d'un travail photographique ou d'une démarche photographique. Et c'est pas grave. C'est très bien. Mais en tout cas, moi, ce que je regarde sur un compte Instagram ou sur un portfolio, c'est les premières photos quand c'est un compte Instagram. Qualité intrinsèque des photos, bah là, ça part un peu dans tous les sens, il y a de la vie quotidienne, et c'est très bien. C'est juste simplement, voilà, on n'est pas sur un photographe qui est dans une démarche, qui a un truc, et qui a des objectifs, ou qui veut nous parler d'un truc. C'est simplement la vie quotidienne, indépendamment de la pratique photographique. Et donc qualité intrinsèque des photos et cohérence au sens, est-ce qu'il y a une patte, un style, un sujet de prédilection, un métier peut-être, un genre photographique. Zetapix, Sylvie Loncle, bienvenue dans Jedi. Ravi de te retrouver, Sylvie, qui n'était ni à l'île, ni... Oh là là, Sylvie, ça fait plaisir. Qui était du groupe de mentorat l'année dernière. Tout petit groupe de mentorat l'année dernière. Un petit peu plus grand cette année. Et Sylvie, ravi de te retrouver. Allez voir son compte Instagram. Sylvie est une photographe de haute volée. C'est vraiment étonnant. Si tu veux partager ton identifiant Instagram, Sylvie, pour que les autres aillent voir, vraiment, c'est photographie, on parlait de poésie, mais d'une poésie incroyable. J'espère qu'elle sait tout l'amour que j'ai pour sa photographie, Sylvie. J'aimerais seulement qu'elle l'en partage plus souvent ou qu'elle se donne l'occasion de travailler plus sa photographie. Mais tout à fait, de cause, c'est vraiment extrêmement intéressant. Allez voir ça. Donc, merci. On passe au deuxième, qui est J.L. Bourdin. Bon, ça, je crois que c'est la dernière fois qu'il m'a été partagé. Suite au dernier JL. _. Alors, comme on l'a dit, pas les vêtements, pas la famille. Bourdin, je dis rien. Annie Leibovitz, quand les gens me demandent quel matériel j'utilise, je leur dis mes yeux. Bah oui. Bah tes yeux. Ouais, tes yeux et ton cerveau, quoi. Ton cœur. C'est Henri Cartier-Bresson qui disait ça. L'alignement des trois. Le plus important d'une photo, c'est les 20 cm derrière l'appareil photo. J.L. Bourdin. Alors, là je découvre, je suis pas allé le voir. Enfin, je n'ai pas le goûter non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, nous avons... Jean-Luc Gourdin, photographe. Okay. Là, tout de suite, photographe, ça positionne. D'accord ? Là, on est tout de suite plus, même, je dirais clairement, dans une démarche
Avec intention, il faudrait la qualifier. Je ne suis pas sûr de voir une intention au sens travail sur un sujet ou sur un, hein, ou sur un travail photographique qui soit... Mais il y a une intention, en tout cas, sur la démarche esthétique. Dans le sens où, bah, voilà, les premières photos, il y a une, hein, une qualité de photo. Je trouve un peu dommage que cette moto soit penchée, surtout parce qu'elle est arrêtée en fait. Elle serait en mouvement, ça justifie un petit peu le côté penché, mais je pense que la photo est aussi bonne si elle n'est pas penchée. Et l'effet de la pose lente et du mouvement donné par le photographe ici sur cette photo serait identique si la photo était droite. Et là, c'est pour moi, je me trompe peut-être, hein, mais là, quand c'est pas assez penché, bah du coup, moi, je vois comme un truc qui n'est pas volontaire. Donc là, si tu veux que ce soit volontaire, il faudrait que ce soit plus penché. Et si c'est volontaire, bah je trouve que c'est pas vraiment raccord avec le sujet, qui est une moto qui n'est pas en mouvement. Le côté penché peut éventuellement donner un malaise. Et la technique photographique, hein, de la pose lente et du bouger du photographe, peut donner, accentuer aussi ce malaise. Mais le malaise, il vient pas par le sujet, quoi. Donc là, le sujet, une moto à l'arrêt, au parking, moi, ça me donne pas du malaise, quoi. Donc, hein, la forme, très bien, le côté penché, c'est toujours au service d'un sujet. Là, c'est plus le choix de la moto à l'arrêt, au parking, devant une boutique. Et moi, bah, voilà, une sorte de décalage entre le fond et la forme, on va dire. Hein, mais cette intention, bah, on la retrouve. Alors, pas que sur le noir et blanc, mais aussi ici, là, hein, on le voit un petit peu plus loin. Donc il y a une pratique de cette technique graphique. Alors c'est dommage, je suis avec des sujets que fixes. Là, bon, ce sont des sujets en mouvement, mais on ne peut pas dire que ce soit une scène qui soit transcendantale. Hein. Ce sont deux jeunes gens, deux messieurs qui sont en train de marcher au milieu de la rue, bon, avec leur bonnet et la doudoune. Okay, mais il ne passe pas grand-chose sur la photo. Si jamais vous trouvez que je suis un mufle et que j'analyse les photos de manière un petit peu... Ah, attendez, on ne voit plus. La caméra principale a trop chauffé. Si vous trouvez que je suis un mufle, sur tout ce que je dis, c'est méthode d'analyse de photos. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui explique comment est-ce que j'analyse les photos. Je n'ai pas à le répéter à chaque fois. Si vous regardez ça en replay, mettez sur pause et allez voir la méthode d'analyse de photos. Si vous n'êtes pas déjà parti, si vous n'êtes pas dit, c'est un gros mufle. Hein, donc là, quand je dis, en gros, cette méthode, c'est qu'est-ce qui se passe sur cette photo? Indépendamment de la technique. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens ce côté malaise ou hein, où y a quelque chose qui gratte, quoi. Y a ce truc un peu... Il y a une tension dans la pratique de la photo. En revanche, qu'est-ce qui se passe dans la photo? Pas grand-chose d'autre que deux messieurs qui marchent au milieu de la rue sur une allée commerçante en plus, quoi. Et probablement un samedi après-midi ou un truc. Donc là aussi, je vois un grand décalage entre la technique utilisée au service de quel sujet. Bah, voilà. Sujet que je trouve, moi, personnellement, Gennaro, en toute subjectivité, un petit peu banal. Voilà. Et donc là, quand c'est une statue, bah, donc la statue peut être un petit peu plus évocatrice, mais on ne voit pas exactement quelle statue c'est. La Jeanne. À ce moment-là, c'est Jeanne d'Arc. J'imagine, quand on dit la Jeanne. À Beauvais. C'est quand même une statue. Là aussi, c'est pas statique, quoi. Donc, les parapluies, très bien. Il y a une belle construction, il y a une graphique, mais c'est que de dos. Alors, je l'ai fait, les parapluies de dos aussi. Mais donc là, hein, ce sont deux choses. Cohérence, je l'ai vu. Qualité intrinsèque des photos, ce sont des photos convenables. J'ai pas de photos que je trouve exceptionnelles. Sur les 9 premières. Ouais. Là, on a deux dames qui sont en train de manger leur sandwich à la pause déjeuner. Des gens qui marchent derrière. Pas de scène, quoi. Enfin, j'ai pas de scène. J'ai une scène qui symboliquement présente peu d'intérêt pour moi. Ça m'intéresse peu de voir les gens manger leur sandwich. Voilà, c'est super les scènes de vie quotidienne, mais si c'est ces personnes-là qui sont intéressantes, bah, là j'ai les deux dos, quoi. Si c'est le fait de manger un sandwich, moi ça m'évoque peu de choses. Hein, donc c'est toujours ce que je montre, est-ce que ça me dit, ce que je ressens.
comment est-ce que je ressens un truc? Ce que je montre va avoir une valeur symbolique. Ce que je comprends, ce que je reçois comme information. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'est-ce qui se passe sur la photo? Et on justifie ça sur ce que contient visuellement la photo. Que contient visuellement cette photo? Deux femmes, deux dos, en train de manger un sandwich. Malheureusement, je ne pense pas qu'avec ce cadrage-là, de cette scène-là, la photo, je la fais peut-être en me disant, bon, peut-être que je... Mais je ne la garde pas, et puis surtout, je ne la montre pas sur Instagram. Donc, est-ce que la photo est publiable dans un magazine? Alors, je sais que le but de Gourdin, du photographe Gourdin, n'est pas de publier dans un magazine. C'est, encore une fois, dans ma méthode d'analyse de photo, un moyen instantané de donner un niveau à une photo. Hein, y a, premier niveau, c'est est-ce que la photo est publiable dans un magazine, dans un journal? Cette photo est techniquement bonne et totalement publiable sur un sujet de pause déjeuner, je ne sais pas quoi. Bon, on pourrait très bien trouver un sujet qui soit illustré par cette photo. Voilà, aucun problème. Ah, donc ça nous donne le premier niveau. Est-ce que la photo est bonne techniquement? Est-ce qu'on comprend le sujet? Est-ce qu'on... Ah, et puis voilà. Le niveau d'après, celui qu'on essaye d'atteindre ou à minima de publier sur Instagram ou sur son portfolio, pour un photographe, professionnel ou non, là, il dit pas s'il est professionnel. Mais voilà, c'est le niveau 2. Le niveau 2, c'est est-ce que la photo est publiable à une expo ou dans un livre ou dans un zine, si vous voulez participer à Objectif Zine la semaine prochaine. Devenez membre de la chaîne. Mais qui fait de la promo tout le temps. Donc ce deuxième niveau, celui qu'on espère, celui qu'on essaie d'atteindre, qui est rare, c'est un moyen aussi de se dire, ok, est-ce que cette photo, je l'accroche au mur à une expo? Ah non, il n'y a pas de version de l'histoire où je l'ai. Et donc là, tout de suite, ça nous donne. Hein, les parapluies, peut-être plus. Bon, voilà, moi, je ne la trouve pas exceptionnelle, mais est-ce que ça tient au mur dans une expo? Ouais, il y a peut-être un sujet ou un truc. Après, il faudrait voir la série en entier et voir de quoi ça parle, mais peut-être un petit peu plus. D'accord? Là, on y est plus. Le parapluie. Ok, on l'a, on a la silhouette du mec, c'est bien composé, on a les gouttes sur le truc, on a ce côté flou, mais ah, quelque chose de très abstrait, en même temps très homme dans la pluie, machin. Bon. Ah, là, on est sur une photo qui est exposable. On le voit instantanément. Hein, donc, qualité intrinsèque des photos, à quel niveau je me place, et cohérence. La cohérence, je l'ai vu un petit peu, mais plus sur un aspect formel que sur un sujet. Ah, donc on est sur un photographe qui a de l'expérience, qui, je crois, se pose quelques questions sur comment est-ce qu'il avance et comment est-ce qu'il a... comment est-ce que je... Pour moi, l'étape d'après, là, c'est travailler sur un sujet. Là, après, on peut faire toute sa vie des photos qui partent dans tous les sens. Et moi, c'est ce que je fais. Je pars dans tous les sens. En revanche, quand j'édite, et du coup, aussi à la prise de vue, c'est pas en permanence, mais de temps en temps, j'ai des moments où je me dis, tiens, je vais essayer de faire des photos sur le sujet sur lequel je travaille. Donc c'est ça, faire un essai photographique, ou faire des séries qui ont un propos. C'est de ça dont on va parler la semaine prochaine. Donc là je vois... Il y a beaucoup de... Alors, si je descends un petit peu, il y a beaucoup de photos convenables, bonnes photos. Donc toutes les photos sont publiées dans un magazine. C'est bon photographe, quoi. Mais et puis on a... des recherches esthétiques ou des sujets, mais qui sont... C'est pas encore, de ce que je vois, très approfondi. Voilà, moi, naturellement, je pense, l'étape d'après pour M. Gourdin, photographe Jean-Louis Gourdin, c'est définir un sujet. Et c'est un truc qui peut être difficile ou qui peut se faire en produisant les photos. On n'est pas obligé de le définir avant d'aller faire les photos, mais ça aide beaucoup à... Ça se soucie des choses. Bref, voilà, j'espère que... Si vous... Non. Allez. Eh bien, Daniel San, je n'ai pas déjà vu tes photos, Daniel San. Arnold. Arnold, j'adorerais participer à l'une de tes formations, mais étant une personne à mobilité réduite, cela sera difficile pour moi. Ah ouais, je suis navré. L'étincelle, c'est la pratique photographique, donc il faut aller faire des photos. Mais... Bah, bon, après, c'est pas ce que...
de mesure, tu peux. Ou... Moi, ce que je crois, c'est qu'on peut faire des photos partout, y compris. Bon, voilà, après, je... enfin, voilà, je... enfin, j'ai des formations en vidéo, hein, mais qui peuvent pour certaines reprendre des choses que l'on voit dans les ateliers. Ben voilà, ce que dit Sylvie, il y a des formations en ligne. Merci, mais j'adorerais être physiquement. Où est-ce que tu vis, Arnold? J'ai commencé à faire des ateliers en région française, à Lille, Marseille et Lyon cette année, et j'espère proposer Nantes très vite, là, dans les jours qui viennent. A priori, 2-3 personnes intéressées par Nantes, ce sera en octobre, fin octobre. C'est difficile de guider une personne et lui ouvrir les yeux sur la réalité de ses photos. Tu en sors admirablement bien. T'as pas vu l'atelier, le précédent atelier où je m'en suis vraiment très mal sorti. Non mais je regardais, l'étincelle, ça a été, je crois, 90 personnes cette année. Le groupe de mentorat, j'en ai eu 25, je travaille sur 6 mois. J'ai fait des mentorats individuels en dehors des groupes de mentorat. L'étincelle, j'en ai eu 250. J'ai eu, je pense, pas loin de 200 personnes dans les ateliers sur 2 jours, autant dans les voyages photos. Quand je vois un portfolio, franchement, j'ai de l'expérience. J'arrive à identifier, je pense, j'espère, assez bien où en est le photographe. Après, je me trompe. Hein. Quand j'ai pas des erreurs d'analyse, je suis pas à l'abri de ça, mais... Et voilà, et donc là, ce que je vois de Raph Gourdin, bah, c'est la majeure partie des gens avec qui se travaillent. Ils sont un truc, ok, je sais faire de la photo, mais où est-ce que je vais après, quoi? Et c'est pas facile de travailler sur un sujet, de faire un essai photographique, de pas faire mes photos de vacances dans un lieu exotique, et puis j'en fais une série à la manière d'eux, et ça fait la remichelle, quoi. Hein, voilà, c'est difficile, c'est difficile de trouver un sujet qui nous passionne, sur lequel on travaille et qui a du sens, au moins pour soi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un des sujets principaux sur lesquels je travaille avec les gens que j'accompagne dans la photographie. Hein. Voilà, bref. Admirablement bien, j'espère, en tout cas j'essaye, mais merci. Moi aussi, mais je n'en ai pas la possibilité. J'ai pas rencontré toutes les personnes avec qui j'ai fait des mentors. J'aimerais pouvoir tous vous rencontrer. Maintenant tu es à Lille. Ah bah oui, mais j'ai fait un atelier à Lille. Peut-être que tu ne me connaissais pas encore. J'en referai un peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est difficile de dire. Oui, tu as déjà regardé. Ah bah oui, d'accord. Tu veux que je refasse alors, Daniel? Parce que tu m'as envoyé ton truc tout à l'heure. J'avais une question. Pourquoi t'as envoyé ton compte Instagram SN Daniel. Comment photo Daniel Sam. C'est la crise de rire de cette année. Qu'est-ce que j'ai oublié. Là, il faut retourner voir. Je sais plus quel épisode c'était la piste avec les photographies, mais... Bon, c'était pas moqueur, en tout cas. Oui, bah oui. Arriver sur des photos. Tu connais ou... Oh, Luna. C'est le nom de ma fille, dis donc. Oui, d'accord, Luna Park. Super. Belle cette photo. Dommage de... Ah oui, si, le carré pour Luna, d'accord. C'est que des carrés ? Oui, non. À cause d'Instagram ou... Vraie question. Est-ce que la photo est meilleure avec la lune en haut ou en bas? Je vois ça, je vois que c'est un reflet, quoi. L'influence de la lune sur la Terre déplace les eaux, provoquant les marées. Certes. Qu'est-ce que je fais? Je commente? Oui, si c'est possible.
Alors voilà, c'est... C'est-à-dire que là aussi, je vois beaucoup de bonnes photos qui sont propres techniquement, voire même intéressantes, mais... Là, c'est typiquement l'influence de la Lune sur la Terre déplace des eaux provoquant les marées. Vraiment, on ne le prend pas mal quand je dis ça, Daniel. C'est un... Voilà, c'est quoi, c'est en quelle classe qu'on voit ça? C'est en sixième ou en cinquième ou en quatrième ou... Et voilà, c'est-à-dire que là, je comprends. Alors, je préfère ça que de partir sur une licence poétique qui m'emmène dans les trucs qui pourrait paraître tarabiscoté ou forcé. Là, à minima, on est sur un truc, mais ta photo, c'est pas une photo de l'influence des marées, quoi. Là, cette photo, c'est une tentative, après, à vous de juger si elle est réussie ou non, de faire une belle photo de cette scène. Et là, c'est une recherche esthétique purement, quoi. Et voilà. Et voilà, c'est fin de journée, il y a la lune, c'est du téléobjectif, donc ça, hyper important, apprenez à lire techniquement les photos. C'est du téléobjectif, comment je sais, bah, la grosseur de la lune, ou alors c'est un cadrage de barbare, mais... voilà, donc vraiment pour moi, cette légende me dit, bah, je voudrais que ma photo aille plus loin. Voilà, t'es une grosse tâche en plus, non, tu peux pas, Daniel, c'est pas possible. Voilà, techniquement, c'est pas possible. Ça, c'est... Là, je vois une tâche de quand on fait du paysage, on ferme. Quand on ferme, on se met sur trépied. Et quand on ferme, bah, les tâches sur le capteur ou l'optique apparaissent. Ça, on les efface sur les trous ou sur le truc, ou sur votre logiciel de retouche ou de développement. On va appeler ça retouche. Ce que je dis pas en public sur YouTube. Donc là, il y a une tâche. C'est pas possible. Ça, c'est sanction immédiate, Daniel. Ça. Il va me faire... 10 pompes, comme le dirait, comment il s'appelle là, donc là, moi je vois un photographe qui a envie d'aller plus loin. Tes photos de concert aussi, je les trouve un peu basiques, quoi. Dans le sens où, est-ce que c'est une photo populaire dans un magazine? Oui, mille fois, mais le fait que tu n'aies pas vu, peut-être que tu l'as vu, mais tu l'as quand même publié cette photo, je vais partir du principe que tu n'as pas vu. Là, ce micro pleine tête de la personne à gauche, ça va pas, quoi. Là, ta photo, soit tu la recadres au centre, on fait une verticale et un qui chante et ça va. Bon, bah, à ce moment-là, tu fais un pas de gauche et la personne qui est derrière chevauche pas, ou alors tu fais un effet, c'est sa jumelle, mais à ce moment-là, c'est pas avec cet angle-là que tu peux la voir. À ce moment-là, un pas à gauche, la personne qui est derrière, elle chevauche pas, et puis après, tu fais une verticale et la scène, elle est là, quoi. Donc ça me dit, bah voilà, peut-être faire un peu de photos de concert, mais pas beaucoup, quoi. Le gospel est facilement une manifestation organisée chaque année dans une ligne de... Donc là, la légende, ça va, on est bien. Cet événement permet aux différents groupes, super, là on sait de quoi ça parle, super, ça m'intéresse. Ok, ça c'est bien, voilà, donc la photo de concert, ça c'est vachement gaffe à l'arrière-plan, quoi. Donc quand vous n'avez pas des grands aplats noirs et des jeux de lumière... Ce qu'on a dans les concerts en intérieur le soir, va faire vachement gaffe à l'arrière-plan, quoi. Là, j'ai Saint-Symphorin Lavaux, bah, c'est écrit, c'est lisible. Du coup, je vais le lire et je me dis, bah, ah oui, mais pourquoi je vais lire ça, quoi. C'est dommage. Donc, ça, tes optiques précédentes me laissent penser que tu as des téléobjectifs. Le concert, ça se fait au téléobjectif, pour justement isoler tes sujets. Enfin, ou au 85 à minima, quoi. Mais. Si tu fais des plans larges en photo de concert, il faut vraiment que ce soit nickel ou que tu aies une position qui te permette d'avoir des trucs parfaits, quoi. Et là, malheureusement, les micros sont très en haut, quoi. Par rapport à ces deux chanteurs. Bon, voilà. Ça peut être une curiosité, mais... Curiosité, quand même. Donc voilà, donc ça me laisse penser... Ouais, j'ai pas une grande expérience de photo de concert. J'en ai fait, hein, mais... À une époque, à Paris, j'en faisais toutes les semaines. J'ai fait pour les un rock, quand même. Quand même. Pas longtemps, mais un petit peu, quand même. Donc, l'animalier, bon.
Je vous. Ah, c'est un peu. Qu'est-ce que tu. Pourquoi tu me demandes une deuxième fois, Daniel? Qu'est-ce que tu. Où est-ce que tu as envie d'aller dans ta photo après? Je le demande. Je peux faire une supposition, mais la réalité, c'est à toi de savoir. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Que là, cohérence, on n'y est pas. Qualité intrinsèque de photo, il y en a des très bonnes, mais ça pourrait être encore meilleur. Quoi. C'est beau, ça. C'est très beau. C'est la seule que je vois de ce niveau-là. C'est très beau. Les gens. Là, je vois ça comme une recherche. Quoi. C'est pas l'équivalent plus tard, si je l'avais un peu avant. Est-ce que tu fais de la macro, tu fais de l'animalier, du concert? Et puis là, c'est vraiment qualifié, c'est vraiment segmenté par genre, hein, quasiment. Ah, ça c'est mieux comme photo de lune. Entre ciel et lac. Ah ben voilà. Là, c'est retourné. Ça, c'est mieux que l'autre. C'est mieux que l'autre, celle-ci. Attends, parce que je sais plus du coup où est-ce qu'elle est ma... Ah, mais... Attendez, si je refais ça, je peux revenir. Est-ce que ma caméra principale s'est refroidie? Quelle heure est-il? C'est 1h40, c'est bien. C'est possible, c'est une double exposition. Ah oui, d'accord. Votre admin d'un serveur avec plusieurs centaines de photographes ne peut que confirmer la difficulté de guider et de faire preuve de pédagogie en même temps. C'est hyper dur. Et puis, je ne pourrais pas vous emmener plus loin que là où je suis. Choisissez bien les personnes avec qui vous travaillez. Parce que... Et la caractéristique de ce qu'on fait, ce qui est vrai en tout, mais c'est très vrai en photographie, c'est qu'on ne se rend pas compte de son niveau. Je connais des gens qui font des formations, qui font des trucs, regardez leurs photos et c'est énorme des personnes. C'est pas possible, quoi. Voilà, moi je trouve ça amusant, mais enfin, je trouve ça amusant. C'est... Et voilà, donc, bah, mécaniquement, des personnes qui ne sont pas au niveau de la personne ne peuvent pas se rendre compte. Moi, je pourrais pas vous. Et puis après, c'est pas une histoire de valeur, c'est une histoire de chemin et de choses qui nous intéressent. Moi, je m'intéresse à des trucs qui ne s'intéressent pas à l'autre. Après, j'ai des gens sur de la macro, donc je me dis que je peux m'adapter à pas mal de pratiques. Mais c'est vrai que mon centre d'intérêt, c'est de vous faire travailler sur le sens, sur pourquoi vous faites des photos. À titre personnel, sur une démarche. C'est même pas une démarche artistique, une démarche personnelle. Parce que c'est la seule photographie qui nous intéresse. Celle qui nous tient à cœur profondément. Et c'est surtout les seuls sujets qui ont de l'importance pour nous sont des sujets personnels parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de recherche. Que c'est une écriture. Et qu'on ne peut pas écrire sur autre chose que soi. Voilà. Moi, ça, c'est ma conviction. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont totalement hermétiques à ce discours. Qui ne parlent pas. Bon, voilà. Donc, je... Tout ça pour dire... donc, oui, c'est extrêmement difficile. Et je me suis planté des dizaines, pas que ce que vous avez vu pour certains la fois précédente, dans l'étincelle, quand j'ai commencé l'étincelle il y a 3 ans, sur les premiers, moi, je ne l'avais jamais fait sous cette forme-là, ou je ne l'avais jamais... je me suis planté parfois. Il y a des fois, j'étais fatigué, ou des fois, machin, j'ai taillé. Et puis surtout, il y avait quelqu'un qui arrivait sur un exercice de photo de rue, qui m'envoyait de la photo de rue, au lieu de dire, waouh, c'est génial, tu fais de la photo de rue. Comme j'ai plus d'exigences sur la photo de rue parce que c'est ma pratique principale, on va dire, dans les genres photographiques, et ben du coup,
Du coup, j'étais beaucoup plus dur avec cette personne, je pense. Alice, si tu nous entends. Ah, et donc, je me souviens, je me suis planté, mais j'ai appris. J'ai aussi passé 2 heures au téléphone avec des photographes blessés qui avaient mis beaucoup trop d'ego et qui se croyaient bien meilleurs qu'ils ne l'étaient parce qu'ils n'étaient pas capables d'entendre une critique. Voilà, j'ai aussi cette caractéristique de parfois très mal sur la forme, comme ça a pu être le cas. Mais j'espère en tout cas une certaine forme de franchise. Je dis les choses et j'essaye de les expliquer. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un un truc qui, par essence, il ne peut pas le voir. Donc, c'est difficile de faire progresser. Et c'est pour ça que ma formation L'Étincelle, ben on fait ça par la pratique. Et pas juste par l'état d'esprit du mec au moment-là, où il ne sait pas dans quel contexte tu as fait les photos. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne mieux. Comme ça. Bref. Alors, pour être admis, la photographie m'oblige à sortir. Elle devient une rééducation. Avec plaisir. Je suis ravi. Je suis convaincu qu'on peut faire de la photo partout et tout le temps, donc, y compris si on est immobile ou immobilisé. La dernière fois, tu as un peu choqué quand tu as commencé un compte Insta, commenté un compte un peu spécial, disons. C'était pas spécial. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Ah, et c'est beaucoup trop facile pour moi de tomber c'est pas spécial, c'est quelqu'un qui débute, qui ne se rend pas compte il essaie de bien faire sincèrement en fait, donc c'est vraiment pas sympa ce que j'ai fait de tailler quelqu'un c'est vrai, mais après moi je suis tombé dans le truc potage et j'ai oublié qu'on était en public devant la tirée de photographie. Il n'y a pas 500 personnes en direct, mais quasiment chaque épisode, c'est 500 personnes qui regardent chaque semaine. C'est à la fois rien du tout, mais avec les replays. Mais bon, quand même, 500 personnes, enfin, voilà, c'est pas sympa. Il y a cet aspect-là qui est important. Le fameux effet de Dunning Kruger, mais complètement. Et je suis sujet à ça. Et c'est pour ça que j'essaye d'aller voir les photographes que je trouve qui ont un niveau que j'essaie d'atteindre. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on atteint ce niveau. Je me fais aider. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait, de progresser. Je compatis sur les filles, d'être critique et sympathique, le tout sans être vexant, même sans le vouloir. Ouais. Ah, ça, c'est des éléments de forme, mais c'est aussi... en revanche, mon devoir pour vous aider à progresser, c'est de pointer les éléments qui ne vont pas et d'essayer de les expliquer de manière... C'est casse-gueule. Hein. On essaye. C'est ça que je peux vous aider. Super, merci les amis. On en a un quatrième, mais le quatrième, on n'a pas le temps. Et je le ferai la prochaine fois, au mois de septembre. Et les amis, je suis bien content de mes lacunes. J'aimerais savoir si je dois persévérer. Me donner ton avis. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et la réponse est oui. 90% des gens arrêtent. C'est 10% qui persévèrent, ça dépend de ce que tu veux faire. Je suis bien conscient de mes lacunes, mais j'aimerais savoir si je dois persévérer, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi l'objectif? Ce qui revient à dire pourquoi tu fais des photos. Voilà. C'est très bien d'avoir une pratique amateur, sympathique, de prendre du plaisir et de ne pas se fixer pour objectif de progresser. Moi, c'est une pratique que je préfère, d'essayer de progresser et d'être en apprentissage constant. C'est parce que ça me passionne, parce que j'ai une passion brûlante pour les photos que de temps en temps j'arrive à faire. Et surtout, je vois chez les autres, et j'essaie de vous montrer, qui sont des photos moi, qui me transportent, littéralement. J'espère que le poème que je vous ai lu, Arnold Arnidi, 1974. Ce sera pour la prochaine fois, Arnold. Hein. Aussi, je l'ai dit, mais c'était toi, Arnold, qui étais en quatrième. Bien. Photo. Portfolio, la petite famille de photographie. Tu m'as dit quoi? Arnidiv, 1974. Ah oui, j'avais noté Arbidiv.
Je t'aurais pas retrouvé, donc c'est Arnidive. Mais Arnold, ce sera la prochaine fois. Je te dis parce que c'est la fin. Je peux dire au revoir. C'est la fin de quasiment, enfin, une saison, on va dire, de un an, petite fabrique de photographie quasiment hebdomadaire. Donc voilà, je peux vous dire au revoir. Je ne vais pas prendre une demi-heure, mais quand même, ça a été fort en émotion. La croissance de la chaîne, elle me fait super plaisir et ça a été fort en émotion pour moi aussi. Voilà, l'étincelle, il s'est passé plein de choses pour moi cette année dans la photo et dans l'enseignement de la photo, qui est mon activité principale, c'est pas la seule, mais en tout cas, mon activité principale aujourd'hui. Je vis au Brésil. J'ai encore du travail. Oui, on en a toujours. Ouais. Ça dépend ce que tu veux faire, Daniel. Merci pour ce moment agréable. Merci à toi, Blandine, d'être là en direct. Merci à tous d'avoir suivi en replay ou en direct la petite fabule de photographie. 31 épisodes. Et puis je vais reprendre à partir de septembre. Ce sera un petit peu comme ces derniers mois. Ce sera 3 par mois, d'accord? Parce qu'il y en aura un 4e qui sera réservé aux membres de la chaîne. Si vous voulez être un petit Padawan ou un Jedi, il faudra être un Jedi pour voir les ateliers en direct réservés aux membres, mais qui seront les ateliers en direct de travail. C'est-à-dire vraiment où je prépare des présentations et on travaille sur un sujet et on pourrait échanger. Celui de la semaine prochaine, objectif Zine, édition et sélection de photos et travail sur un sujet ou sur un essai photographique avec pour objectif de le présenter sous format de Zine. C'est pas la fabrication ou la promotion d'un Zine ou le financement d'un Zine. C'est vraiment la partie travail photographique et sélection édition. Et donc là, ce sera 2 heures. Les lives d'après, ce sera, je pense, 1 heure. Mais ce sera sur des éléments conçus, précis. D'accord ? Et donc, j'arrête la petite fabrique de photographie. J'arrête aussi l'étincelle pendant le mois d'août. La semaine prochaine, ce sera Objectif Zine pour les membres. La semaine suivante, c'est la dernière réunion du groupe de mentorat. Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. On va faire un magazine. On est en train de finir un magazine, justement. C'est eux, surtout les photographes, qui font un magazine de leurs travaux sur les 6 mois. Il sortira en août. Ou fin août, début septembre. Et puis je vais travailler aussi sur des vidéos que je sortirai à la rentrée en septembre, mais qui seront. Je n'en dis pas plus, je préfère rien dire tant que c'est pas prêt, mais je vais travailler dessus. Et j'ai besoin de ce temps d'un mois ou pour travailler dessus parce qu'il y a beaucoup de travail. Voilà, je vais quand même essayer de garder une vidéo par semaine sur la chaîne. On verra si j'y arrive. C'est pas sûr. Mais j'en ai déjà au moins une pour dimanche et j'en ai encore quelques-unes qui sont en montage. Quel teasing pour le zine, hâte d'être la semaine pro. Non. Je suis ravi, j'espère que ça te plaira. Pour l'instant, vous êtes 4, donc c'est bien. Alors, il y en aura peut-être un petit peu d'autres, et puis je vais en faire la promotion un peu partout. Objectif Zine, Objectif Livre, Objectif Expo, c'était vraiment des ateliers intéressants. Objectif Zine, ce sera 20h, 21h, ce sera 20h. Ce sera 20h parce que je prévois 2h, et moi, il faut que à 17h ici, donc 22h chez vous, je sois libéré. Mais si vous êtes membre, vous aurez accès au direct et au replay, mécaniquement. Merci à tous, merci beaucoup aux nouveaux Padawan et aux nouveaux Jedi qui seront là la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi plus ou moins en direct mes longues introductions, mes ratés techniques, mes promotions extensives. J'ai des trucs à vendre, excusez-moi, faut vivre. On a aussi vu plein de photographes, j'ai essayé de vous enseigner un maximum de trucs, de vous partager des choses. Est-ce que j'ai parlé une fois de matos? Je crois pas. Ah, si, j'ai fait une vidéo sur quel objectif utiliser en photo, mais en vous montrant des photos de grands photographes qui utilisaient cette optique. Donc j'aime le direct. Donc j'ai ce truc qui me plaît. J'espère que ça continuera à grandir l'année prochaine. Je reviendrai, I'll be back, et on continuera à expérimenter, à faire des choses, à vous montrer des livres, à vous lire de la poésie, à vous montrer des grands photographes, des plus ou moins grands, à faire des lectures de portfolio. Merci beaucoup, 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 vraiment du fond du cœur. Salut Nathalie. Bonsoir à tous. Et je vais laisser une vingtaine de secondes, je crois que c'est la tournée, je crois que pour que vous voyez mes au revoir. Et c'est ce que vous voyez sur...
C'est le décalage, je crois qu'il y a 20 secondes de décalage. Des commentaires, ils ont écrit. C'est un truc que j'ai dit une minute avant. Quoi. Peut-être que je réduise ce temps de au revoir les amis. Pour les directs, septembre prochain, sur la chaîne, les dimanches. Alors les amis, bonnes vacances à tous.